Le plus grand sanglier du monde. Des mensurations de rêve. Presque 10 mètres de haut, 14 mètres de long et 5 mètres de large. 50 tonnes de métal, 6,5 tonnes de soudure et plus de 12 000 heures de travail pour son créateur qui l'a fait naître dans son imagination à l'aide d'une massette, d'une disqueuse et d'un poste à souder. La réalisation a nécessité 430 bobines de soudure et 328 bouteilles de gaz. Commencé le 1er janvier 1983, ce monument colossal a été achevé 11 ans plus tard, le 15 décembre 1993. Mon nouveau copain. Il est 4 heures. C'est l'heure du goûter. Aujourd'hui, on se trouve à Bambec chez un artisan confrère que je voulais absolument rendre visite. C'est Easy Laser. On y va de suite. Il n'y a plus de frontières. On est en Belgique. Ça y est. On est en Belgique une fois. On va aller manger des bonnes frites. Et direction Orval pour boire de la bonne bière d'abbaye. Et eux là, vous croyez qu'ils sont pas bien là? Il y en a un qui dort, on en a perdu un. Hop, petit dessin animé sur la route. Aujourd'hui, on est en Belgique, on va visiter l'abbaye d'Orval. L'abbaye d'Orval est très connue en Belgique grâce à sa bière. La bière d'Orval, c'est une des bières qui est fabriquée en abbaye par des moines et elle est somptueuse. Donc on va aller de suite au restaurant pour aller boire de la bière, et manger. Ils font pas que la bière, ils font aussi du super bon fromage. Donc on va aller se restaurer et après on partira faire la visite de l'abbaye. Allez, regarde-moi, je peux...
je ne pouvais pas repartir sans la bière d'Orval quand même. À consommer avec fraîcheur. Avec modération, mais il n'est jamais là lui. Hein. Modération, on l'a jamais vu. Avec fraîcheur. Voilà. 10 bières, 20 euros avec un verre. Alors non, nous ne sommes pas allés à Orval voir cette abbaye pour que la bière. Nous sommes venus ici pour son monument, son histoire aussi. Ça fait partie de l'instruction en famille pour Angèle. Nous quittons maintenant Orval et nous allons nous diriger directement sur Bouillon, petite ville au bord de la Smois. Nous allons faire le remplissage du camping-car en eau, nous allons vider tout ce qu'il y a à vider, remplir tout ce qu'il y a à remplir. Et après nous allons nous diriger vers un petit village qui se trouve en hauteur, qui s'appelle Roche-Haut. On va aller faire un petit tour de petit train et on va aller visiter un parc animalier et on va voir un peu ce qu'il y a sur place. Voilà, remplissage du camping-car à Bouillon. J'ai mon dérouleur de la soute. Je me branche directement et je remplis. Ça va Angèle? Ça va? T'es bien là hein? Allez, tout est rempli, on a rempli l'eau, on a vidé la cassette, on a tout nettoyé, maintenant on repart. Ouais, oui.